放松点。Yo! Hey, petite coupure avant que la vidéo ne commence réellement. Oui, parce que vous avez peut-être remarqué que nos tronches et le matériel n'est pas le même dans cette vidéo-là que dans celle du sanatorium. En effet, normalement, cette vidéo devait sortir avant le sanatorium. Bien avant. Eu quelques petits soucis. En effet, je me suis fait cambrioler tout mon matériel et le disque dur sur lequel il y avait tous les rushs. Du coup, bah, on a tout perdu. Sauf que, heureusement, il y avait une version test qui était quand même en ligne, et du coup, on a pu la récupérer. Voilà, donc j'ai téléchargé à partir de YouTube, mais du coup, j'ai pas pu remodifier le montage depuis, ni vraiment la colo, ni les trucs comme ça. Donc, et enfin, le montage, c'était surtout le point le plus important. Voilà. Mais voilà. Donc la vidéo que vous allez voir n'aurait pas dû exactement être comme là, comme ça. Et il est possible aussi que dans la prochaine Explo, on n'ait pas tout le matos qu'on avait avant. Parce que comme la dernière. Parce qu'on l'a plus, en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà, sur ce, on vous laisse regarder cette vidéo et on vous fait des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Allez, au revoir. Au revoir. La première, Swan, tu pourras pas passer comme ça. Non, non, ça. T'es pas.
Tout dépend de ce qu'on verra. Celle-là, je vais les acheter. J'ai l'impression que tous les accès à l'étage ont été pétés. Enfin, on peut aller voir. En haut, si tu regardes, c'est... Ouais, ça s'est pété. Là. C'est que du bois, donc ouais. On n'y serait pas allé de toute façon. J'aurais bien aimé aller là-bas. Tu veux qu'on aille voir? Là-bas? Ouais. Ouais, on y va, allez. Je te dirais non. Tu serais là, je serais à ta place, je te dirais non. C'est-à-dire que... Est-ce que la barre est solide au moins? T'es sûr? Ah mais même, tu vas faire quoi? Tu vas faire... Tarzan, tu vas t'accrocher en boule de temps? À quoi? Voici à quoi ça ressemble. Très 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 beau. Vous voyez Swen? Là j'ai du vide.
T'es bien. T'es content de pas y être allé? Ça va aller? T'as besoin d'aide? Quand tu veux. Mais comment tu fais? Parce que tu tombes. Les jambes la première? Oui. Mais non. Mais moi j'ai un gros cul. Mais c'est là justement où tu tombes. Là t'es obligé de mettre ta main au sol. Attends, regarde. Attention. Action. Flexion. On va sortir par là, hein. D'accord. Tu vas y arriver? Oh, pauvre chou. En vrai, c'est pas pratique, hein. Ça va aller ou pas? Tu veux que je prenne ton sac? Je te demande pas, c'est pas pratique. Tu veux que je prenne le sac? Non, bah, ça, c'est pas pour descendre. Bah, juste en traction. Juste en traction. Tiens, je pense que tu veux que j'aille voir. Parce que regarde, je vois pas ce point. Faut que tu t'accroches avec le grillage, je pense, à gauche. Mets tes... Ah oui, non. Non, c'est pas ultra pratique. Fais gaffe, t'as des pics dans la branche, dans le bout de bois. Non, n'utilise pas la grille avec tes pieds. Hey, ça fait mal. On retourne là-bas, on est d'accord. Voilà, c'est le moment de l'évasion. Et c'est le moment où on espère que tout va bien se passer. Donc, il faut être ultra vigilant parce que c'est le moment où en général on fait plus trop gaffe. On commence à faire un peu moins attention, on est un peu fatigué, et on se dit qu'on a tout vu. Et en fait, c'est le moment où les catastrophes peuvent arriver. Donc on va faire attention. Et là, il y a Swen qui fait des magnifiques plans. Ah merde. C'est une mouette. Donc là, en fait, on est un peu coincé. Il y a le voisin qui vient de rentrer. Il y a plein de voitures qui passent aussi. On voudrait repasser par là-haut. Mais c'est un peu la merde. Je n'ai rien d'autre à dire. J'aime quand on est proche là-dedans. Tu veux un Fisherman? Je suis là. C'est une façon de me dire que je pue de la gueule.